Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Assassin's Creed Odyssey, le quatrième épisode. Nous sommes à bord de notre navire. D'accord, appuyez sur X pour y aller. Ah, c'est mieux. Ils chantent fort, hein, ces sacs. Un boost de vitesse. Wouh. D'accord. Maintenez A et gauche-droite pour virer plus efficacement. D'accord, effectivement. Ok. Alors, de croisière, alors. Détruire le navire et récupérer la cargaison de Barnabas. C'est parti. C'est maudit pirate. Un très gros côté Black Flag, mais c'est très bien, parce que c'était vraiment ce qu'on aimait dans Black Flag, c'est ça. Et ce que les gens aiment dans Sea of Thieves. Thieves. Pardon. Hop là. C'est pas le tir qui compte. Tempête sur nous, capitaine. Hop là. Il est temps de les prôner. Non, il est en train de couler, c'est bon. On l'a bourré. Ah. Voilà. La cargaison est à nous. Lors du combat contre ces pirates, les mers sont plus dangereuses. Maintenant qu'Athènes et Sparte sont à couteau tiré. Ah bon. Il nous faut des recrues pour renforcer l'équipage. Ok. Je sais par où commencer. Le meilleur archer que je connaisse. Il nous serait très utile. Et on peut le rencontrer? Eh bien, il va falloir que tu le persuades. Qu'est-ce que tu veux dire? Fais-le monter à bord, et moi je lui parlerai. Quelques drachmes me faciliteront les choses. Donc, si j'ai bien compris, il faut que je la somme. Non, non. Enfin, peut-être l'amadouer un peu. Ensuite, tu l'amènes à bord afin qu'on puisse discuter. Tout se passera bien, je t'assure. J'étais parti pour, moi. Cassure. Casser un navire en deux reconstitue un peu l'intégralité de votre navire et rapporte plus de matériaux que si vous le couliez. D'accord. Trouver et recruter. Le campement est sur une île en Phokis. Elle est au sud des terres sacrées d'Apollon et n'est pas avait échoué sur la grève de cette île. C'est précis. Au sud de Phokis. Terre sacrée de la grève de terre sacrée d'Apollon, donc ça devrait être dans le coin ici. Ah, on y va. Oula. Aux avirons. Aïe. Ah, toute dans l'eau, d'accord. Tu veux la jouer comme ça. Ah. Moi, je suis trop loin. Wouhou. C'est qu'ils font mal. Aïe, ils sont nombreux. Aïe. Sont un poil nombreux. Ok. Et ils m'ont tiré en rafale. Ah, je suis hors de portée. On y va! À la soupe! Voilà! Boum! Ça c'est fait! Y'a l'autre qui me suit par contre! Allez, tourne!
Ah! On va aller taper l'autre, mais l'autre il a coulé. Non, il a pas coulé. Parfait. Qu'ils essayent! Voilà! Hop! Et le dernier, on va l'aborder. Ah. Ouf. Hop les, et de 1. Boum. Et c'est fini. Intégrité de navire reconstituée. Wouh. C'était cool. Et ils ont des coffres dessus. Intéressant. Manique la plate et du bois d'olivier. Alors ça m'intéresse tout ça. Alors apparemment j'ai gagné aussi un point. Oui, un point d'XP. Progresser dans l'histoire, donc malheureusement je ne peux pas le faire, mais requiert le niveau 16, je ne peux donc pas le faire non plus. Progresser dans l'histoire, progresser dans l'histoire. Évanouissement, le mode ninja, quoi. On peut prendre le mode ninja, ça peut être rigolo. De nombreuses aptitudes sont alimentées par l'adrénaline, qui s'accumule en notamment en portant des coups, en esquivant et en parant des attaques ennemies. Lorsqu'une aptitude est utilisée, un segment de l'adrénaline est dépensé et doit être accumulé de nouveau. D'accord ? Pas de soucis, on va être en mode ninja. Hop là. Oh compagnon ! Comment ça va ? Cool ! Bon, temps de repartir en... Oh ! Oh mais c'est bon ça ! D'ailleurs oui, au niveau du stuff, j'ai pas pensé à aller vérifier, mais... Normalement on a du mieux. Ici. C'est un peu mieux ça, effectivement, je confirme. Mais c'est du guerrier, ça c'est de l'assassin, ça c'est de l'assassin. Stylé en guerrier aussi. Ok, bon bah c'est tout. On reprend le commandement du navire et on part. Ah, ils ont laissé des choses, regardez qui flottent. Intriguant. Une petite île, là aussi, il doit y avoir un secret sur cette île à tous les coups. Là, il y a un truc à récupérer aussi. Quelque chose flotte là-bas. On peut le remonter. Ouh. Ça a l'air d'être le bateau, ça a l'air d'être le machin qui va te servir à farmer genre un nombre incroyable de trucs. Alors s'il m'agresse aussi. Ah, je récupère de l'XP, je sais pas pourquoi. Non, il ne m'agresse pas. Donc on cherche un navire échoué. Voilà l'île. Je devrais envoyer Icaros reconnaître les. Ah, je peux envoyer Icaros aussi. Voilà ma cible. D'accord. Donc c'est cette île là qui grouille de pirates, c'est ça que t'es en train de me dire, Barnabas. Ah. Allez, ça grouille, je confirme. Oh. Phémios, archer, d'accord, c'est lui qui nous intéresse. D'accord, falloir que je commence à recruter des... Ah. Donc j'aurais peut-être dû garder mon point d'XP. Amarrer le navire. Comment il le gare? M'explique comment tu fais ça? Capitaine, c'est un navire de commerce. Mais j'ai rien fait, hein. C'est lui qui s'est mal... Mais c'est intéressant si on peut attaquer des navires de commerce. Et donc personne ne surveille l'endroit où les bateaux amarrent. C'est l'archer directement là. Bon, il va faire l'archer d'abord, j'ai envie de m'amuser un petit peu avec ses camarades. On a tous le droit de s'amuser un peu, non? Personne n'approche. On va tuer tous ses amis avant de l'embaucher, ça me semble plus correct. Comme façon de faire.
problème, c'est qu'il a l'air d'avoir une très très bonne vision. Enfin, un très très bon point de vue, surtout pour le moment. Surtout, il y a un chien. Qui dit chien, dit gros odorat. Quelqu'un a entendu quelque chose? Non. Ah, ils m'ont vu. Aïe. Bouf. Les chiens. On va arrêter le gros bourrage. Désolé le toutou. Ouais non, tu vas pas me tuer parce que c'est moi qui vais te tuer d'abord. Ok, t'es où? T'es enfui? Non, il s'est pas enfui. Oh! Ouh, c'est quoi ce truc? Ouf! Non mais genre! Il m'a tiré dessus lui? Il m'a tiré dessus ou c'est moi? On peut pas voir ce qu'il y a sur l'île à faire, vous savez? Pour le moment en tout cas. C'est bien hein. Ah puis d'ailleurs je ne peux pas... Si, ça y est. Peut-être qu'en envoyant Icaros, je peux voir vite fait ce qu'il y a. Ah bah c'est fait, voilà pourquoi en fait. Allons voir cet homme. Allez, mente. Mente. Allez, mente. C'est bien. Bonjour. Recrutement des lieutenants. Recrutez des lieutenants pour faire des lieutenants à bord de votre navire. Les dégâts et l'aptitude de perte de conscience pour calmer un ennemi avant de lui demander de rejoindre votre équipage. Allez. Hop. T'es embauché. Va au port. Un homme appelé Barnabas engage des marins pour mon équipage. Je viens d'étrangler quelqu'un. Et tout va bien. Bon bah, pourquoi pas. J'ai pas trouvé... Voilà, c'est le menu navire. Affectation des lieutenants. Engagé à affecter des lieutenants à votre navire. On regarde notre équipage d'abordage. Lorsque vous n'êtes pas à bord de l'adresse RAP, c'est la fin de combat. D'accord. Lieutenant spéciaux. D'accord. Fenios, lieutenant, plus 3 dégâts de flèche. Why not? Renvoyé et non affecté. D'accord, ok. Et donc là, il y a des niveaux d'amélioration qui nécessitent plein de compétences. Endurance, navire d'équipage, nanana. Énergie des rameurs, protection de l'équipage. Ok. Génial tout ça. Aucune figure de proue, d'accord. Et l'équipage n'a qu'une tenue, d'accord. Ok, intéressant. Ça par contre, ça peut être intéressant. Après, il y a les dégâts des armes. Ah. On va se payer ça. Dommage que ça me coûte de l'or en plus. Mais bon, j'imagine qu'on peut aller farmer immensément d'or et de ce genre de choses directement via la mer. Donc on verra. N'ayant pas plus d'informations, méditez. De comment, sur la qualité entre guillemets de du farm, je vais pas m'embêter. Là, j'aurais pu utiliser la technique pour disparaître aussi, j'ai pas pensé. Hop là, Barnabas, mon ami Barnabas. Tiens, est-ce qu'il est à bord? Pousse-toi. Vous le voyez? Ce serait pas lui là, non?
Non, il est pas assez habillé. Je sais pas. Bon. Go for it, hein. Coucou. Je l'ai trouvé. Bien. Cet homme fera une recrue de choix. Est-ce que ça cool. suffira? Ne t'en fais pas. Nous aurons des tas d'occasions de recruter des gens par la suite. Ok. Quelque chose me dit qu'on va en avoir besoin. Nous devrions voguer vers Mégaris. Cool, on y va. Excuse-moi de t'avoir coupé dans ton... L'ennemi du cancre, les secrets de la grâce. Je sais que c'est la graisse, hein. Calmez-vous. Hop. Un nouvel arc. Cool. Il est moche. Préfère être honnête. Épée grossière. Oh la vache, oui, c'est un... C'est littéralement un fauchon. Ok. C'est peut-être agréable, mais les nôtres sont parfois agités. Si tu veux un peu d'animation, mon tableau d'affichage est là-bas. J'y note tout ce qui peut être intéressant. Ah, attends. Pour un bien audacieux. Est-ce que je peux... Comment je descends ce truc? Augmentez la vitesse! Le capitaine quitte la barre! T'as noté quelque chose? T'as un coffre? T'as un comment? T'as un tableau d'affichage? Quelque... Ah oui, là, juste là. Poussez-vous, les mecs. Prime sur les navires marchands. Elle est temporaire, d'accord. Niveau recommandé 7. Contrat. Ah non, c'est pas temporaire celle-là, apparemment. Pour de l'or, d'accord, ok. Sparte s'impose dans les contrées athéniennes. Il faut lui envoyer un message. Éliminer ses troupes d'élite et nous verrons si elle peut maintenir son offensive, d'accord. Femme respectable cherche de l'aide. Des drachmes à qui lui apportera, d'accord. Donc, par exemple, je prends ça. J'ai 24 heures pour buter des navires marchands. Comme là devant, il y a un navire marchand. Et de 1. J'ai envoyé un navire par le fond, regardez, mon niveau de menace a augmenté. C'est cool. Après tout, faudra bien qu'on tue des mercenaires un jour ou l'autre. Alors, on a augmenté les flèches, on va essayer de les utiliser. Remontez-moi cette voile. Ça, c'est indiqué. En avant. Hop là. Et de 2. Et voyez, ça a augmenté. On est presque à vitesse maximale. Mercenaire envoyé, quoi. Ce qui veut dire qu'à la fin de la quête, on aura un voire deux mercenaires envoyés. Haha. Un autre navire de... Tenez-vous prêts. Tirez sur eux. De marchandises, je pense. Hop là. On va aller récupérer ce qu'ils ont laissé. Merci à eux. Ça fait 3. Aha. Je crois que j'ai trouvé un autre navire marchand, mais qui risque d'être défoncé très rapidement. J'ai pas senti la différence de vitesse. Préparez vos armes, capitaine. C'est un navire marchand. Et alors ? Allez, on va s'approcher. Et alors ? C'est ce que je cherche, les navires marchands. Là, c'était pas un navire marchand, par exemple. Ok, je crois qu'on a trouvé notre dernier navire marchand. Préparez les rames. Archers, préparez-vous. Hop là. Le seul truc qui me dérange. Ça m'a l'air d'être une tempête sans paix. C'est que... Oh, une tempête, cool. C'est que lui semble... un peu vilain. Hop. Préparez-vous.
Il est agressif. Il vous tirait d'un instant à l'autre. Des flèches. Et je voudrais pas qu'il le reste. Soyez prêts à tirer. Ça ressemble à une tempête, capitaine. À côté. Attention, flaque sur l'eau. À l'abri. Attention, un incendie. Hop là. Alors pour une raison que j'ignore, mais... Eh ben dis donc. Il va s'approcher. Tirez. Oh bah merde. Forcez l'allure. Boum. Voilà, c'est ça qui est bon. N'était pas inquiet. Moi non plus. Bon, on a été des vilains, on est en pleine tempête. On va aller affronter la quête principale, qui est très très loin maintenant. Mais qui devrait surtout nous permettre de progresser dans l'histoire, ce qui serait peut-être pas mal. Rangez les avirons. Bon, ça y est. Nos ennemis sont là. Sortez les avirons et surtout... J'ai équipé quelque chose. Je sais pas si ça va marcher. C'est parce que j'ai pas assez de potentiel incendiaire. Augmentez la vitesse. Hop là, raté. Touché. Ça fait... Putain, il s'est fait... Ok, on se fait tirer dessus par derrière, je présume. Ouais. Et de 1. On va pas déclencher l'abordage. Boum. Allez, de 2. On pourrait enflammer nos flèches. J'ai envie de tenter autre chose. Voilà, c'était efficace. T'inquiète pas, on va faire une petite brochette de bateau. Et on a eu les deux. La brochette. Les Spartiates préparent un assaut final afin de chasser les Athéniens de la région. Ah ouais, carrément. Bon, et là, le petit îlot, il a l'air rempli de petits trucs intéressants. Réduisez l'allure. On va aller voir ça vite fait. Le capitaine quitte la barre. Parler à Nicolaos, donc faut que j'aille parler à mon père. Ah ouais, carrément. Ok, c'est parti. Tuer les capitaines et piller les trésors. Hey. T'es vraiment bigleux. Allez, viens par là. Hop là. On va aller voir si Icaros peut me filer un petit coup de main. Il y a des corbasses ici. D'accord. Il y a plein de coffres juste là. Oh, mais ça va être un capitaine intéressant en plus. Malfra, Théron. Donc lui, je pense que je pourrais, voyez, le recruter. Ce qui serait intéressant. J'ai pas envie de le tuer, je voudrais le recruter si c'est possible.
Viens voir papa. Viens voir papa. On a affaire à un courageux. Je l'ai pas tué. Si? Si, je l'ai tué. Ouh. Quand j'ai vu attaque discrète, j'ai douté. Je vais pas vous mentir. J'ai pas vu ces deux-là. Tu es libre. Moi, j'aimerais t'assommer. Ah ah. Léger problème. Déjà, léger problème, il fait très très mal. Hop là. Ah d'accord, ça me permet pas d'assassiner derrière. Vous m'avez perdu. Tu veux peut-être dire que je vais pouvoir l'assassiner, enfin le recruter quand même. Meurs. Hop. Il y en a un apparemment que je n'ai pas vu dans le lot. Et qui serait de mon côté d'un seul coup? Ok. Je sais pas. On va aller le voir. Comment il se déplace? Salut bonhomme! Est-ce que tu veux venir dans mon équipe? Rejoins mon équipage. Je sais que tu aimes la mer, autant que moi. Désolé, t'as fait passer à travers un caillou, mais... Et là, la question, c'est... Est-ce que ça l'a tué? Ou pas? Parce que vous voyez, là, c'est un bleu classique. C'est même pas un bleu, c'est un normal. Et là, on a affaire à un lieutenant violet, qui doit être forcément mieux. Donc, je le recrute. Je le recrute forcément. Mais donc ça l'a considéré comme tué, d'accord, parfait. Donc on va avoir accompli cette île. Et là-bas il y a un navire, oh un casque. Un casque moche. Excellent. Excellent. Et il est de niveau 7. Ce qui... devient triste. On va pas l'afficher, hein. On va rester comme ça, ça va être bien plus joli. Ah, j'ai des bottes par contre, autant pour moi. Je vais y arriver, promis juré. Hop, des bottes. Oh, elles sont jolies. Et on va aller récupérer ce qu'il y a là-bas quand même. On n'est pas des sauvages. On va y aller, embarque. L'île des pirates. C'est joli comme nom. Un petit boost. Pas trop. Freine. Ouais, voilà, c'est bien. Ah, y'a un Maccabée. C'est quand même pas les deux navires que j'ai emboutis. Si, c'est ici. Cool. Hop là. Un bâton grossier et du bois d'olivier. Il a glissé. Crac. Allez, retour sur le navire. À coup de barque. Je crois qu'il y a des choses ici. Comment peut-il y avoir des choses à ce point sous l'île? C'est genre littéralement sous l'île. Alors, je demande à comprendre. Est-ce qu'il y aurait une planque sous l'île?
Ou un passage permettrait de passer dans l'île. Je ferais mieux de rentrer, je crois. Au lieu de faire ce que je te demande de faire, c'est tout, hein. Point barre, hein. Ok, sous l'eau, il y a du danger. Et apparemment, c'est dans cette épave. Il faudrait que j'aille. Alors, à tous les coups, je suis poursuivi par des requins, hein. Eh non, je vais avoir du mal à allumer ma torche ici. B aussi. Ok. Obsidienne, haha. Oh, donc j'ai pas de surface par ici. Oulala. Oh là là, j'ai pas de surface. Et tout s'assombrit. Et je me noie. Et je me noie. Et je respire. Wouhou. Et on va tout faire pour esquiver les potentiels requins qui vont venir me coller au cul. C'est bon. Wouhou. Eh ben, c'était pas aussi simple que prévu. Wouhou. Eh ben, dis donc. C'était risqué. Wouhouhouhouhouhou. Arrête du cul takamaté, comme on dit chez moi. Allez, direction la quête principale, on va aller voir mon papa. Poussez-vous. Poussez-vous de mon chemin. Rejoignez le large. C'est parti. Allez. Rejoignez le large. Ils sont taqués, mes hommes, hein, quand même. Alors, il y a plein d'îles. Vraiment plein d'îles. Ça fait mal. Ça fait mal. Le loup ne fait pas de prisonnier. Rapide. Ton nouveau fils ? Voyez ! Comme ce chien athénien de Périclès vous craint. Il reste terré dans son Parthénon, entouré de dramaturges et de sophistes. Il n'ose pas vous affronter avec honneur sur le champ de bataille. Il connaît votre force. Il sait que les jours d'Athènes en Mégaris sont comptés. Et il sait que le tour d'Athènes approche. La confrontation. Toi. Tu as vaincu le blocus athénien ? Ils étaient sur ma route. Sparte te remercie. Tiké t'a béni, mon ami. Tu es arrivé à temps pour voir mon père remporter une grande victoire. D'accord. Les enfants de Nicolaos sont morts. Je ne peux pas être son fils. On m'a dit que ses enfants étaient morts à Sparte, il y a longtemps. Il m'a recueilli et adopté, après la perte de sa famille naturelle. Je l'honore chaque jour, de toute mon âme. Décidément, la vie réserve des surprises. Et l'histoire emprunte des chemins étranges.
au-delà de la volonté des hommes. Tu parles comme si tu y avais assisté. Peut-être bien. Sornette, tu es trop jeune pour avoir assisté à ce genre de choses. Et oublions le passé, parlons de l'avenir. Que vient faire un mercenaire dans une guerre pour laquelle on ne l'a pas engagé? Dis-moi la véritable raison de ta présence ici. Je n'ai pas de temps à perdre. Je suis là pour voir le loup, je passais simplement par là. Je suis là pour offrir mon épée. Je suis là pour voir le loup. Je suis là pour voir le loup de Sparte. On ne rencontre pas Nikolaos comme ça. Il est à la tête de toute l'armée spartiate. Si tu as vraiment fait tout ce chemin pour le voir, ta déception sera grande. Tu es sûr d'être la bonne personne à qui je dois parler? Tu n'as pas l'air d'être un spartiate réglementaire. Il serait peut-être préférable que je parle à Nikolaos directement. L'humour n'est pas une qualité indispensable chez les gens comme toi. Mais si tu cherches à alourdir ta bourse, j'ai toujours de la place pour de bons mercenaires. La flotte a été détruite, mais Mégaris demeure entre les mains d'Athènes. Avant de livrer bataille à l'ennemi et de le renvoyer chez lui, nous devons l'affaiblir. Ok. Et tu peux me parler de ton père d'abord? Qui est-il au juste? Nikolaos, le loup de Sparte. Mes capacités l'ont impressionné quand j'étais enfant. Il m'a pris sous son aile. Il m'a formé lui-même. Et plus tard, il m'a adopté. C'est mon père et mon mentor. Je veux qu'il soit fier de moi. Assurément, les Mystios ont dû entendre parler de lui. Seulement des rumeurs. Je doute qu'elle lui rende justice. C'est un grand guerrier, un général meilleur encore. Je le suivrai jusqu'au royaume d'Hadès. Comment se déroule cette guerre? Parce que vous gagnez, j'ai l'impression que oui. C'était une tentative désespérée d'arrêter notre avancée en Mégaris. Désormais, nous pouvons nous préparer à les chasser de cette région. Nos éclaireurs recherchent des cibles majeures en vue de l'assaut à venir. C'est ça qu'il va vouloir que je fasse. Les ordres du loup. Nous ne pouvons pas perdre. Une fois inflexible en son Pourquoi père adoptif. Pourquoi as-tu besoin d'un mercenaire pour une telle mission? Tu n'as pas l'air de manquer de soldats. Ce n'est pas une question de troupes. Les habitants sont nos alliés. Nous ne voulons pas engager de soldats sans être certains de remporter la victoire. Mes éclaireurs sont à la recherche de cibles majeures à attaquer. Alors, je t'aiderai. Si tu me payes. Si tu me payes, je t'aiderai à chasser les Athéniens de Mégaris. Les mercenaires. Tu n'as ni honneur, ni sens du devoir. Je préfère te savoir avec nous que chez l'ennemi. Les Athéniens ont déjà un mercenaire à leur service. Ils n'ont pas besoin d'aide. Si nous parvenons à attirer le chef athénien et à le tuer, nous écraserons ses forces sur le champ de bataille et les renverrons à Athènes. Détruisons son ravitaillement, volons son trésor de guerre, éliminons ses meilleures troupes, et il sera vulnérable. Prends ceci, et montre-le à mes éclaireurs. Si tu les vois sur le champ de bataille, demande-leur ce qu'ils ont trouvé. Ils risquent aussi d'avoir besoin de tes talents. Ok, où est le chef des Athéniens? Où est le chef des Athéniens? Commençons par la grande tête. Gara, où il se cache derrière des murailles de pierre, entouré de soldats. Mais si tu élimines ses troupes, détruis son ravitaillement et vole ses richesses, il sera vulnérable. Attends, t'as parlé de quoi? Richesse? Ouh, ça m'émoustille. Quel approvisionnement faut-il détruire exactement? Tout ce qui est utile aux Athéniens. Cherche des caisses d'approvisionnement et d'armes. D'accord, bouffe et nourriture. Bouffe et. Lance. Ok, pas de soucis. C'est là qu'arrive leur ravitaillement dans la région. D'accord. Et quel coffre faut-il voler? Pourquoi est-il si important? Les taxes. L'armée, ce sont des hommes qu'il faut payer. Sans argent, ils perdront l'envie de mourir pour les ambitions de leur chef. Les Athéniens conservent leur trésor sous bonne garde, dans un fort au pied des monts Géranéa. Cool! Je sais où c'est! Je crois savoir ce que je dois faire. Ouais, rappelle voler le coffre. Que chaque soldat athénien que tu tueras nous rapprochera de la victoire. Et lorsque j'aurai mis les Athéniens à genoux devant Sparte, je rencontrerai Nikolaos. Ou alors tu seras le prochain. Bien. Envoie tous ces chiens et sophistes d'Athènes au royaume d'Hadès. Triomphe, Mystios, et le loup veillera personnellement à ta récompense. Ça me plaît pas de jouer leur truc, mais il y a de leur conquête des nations, d'accord?
Pour rencontrer votre père Nikolaos, aidez Stentor à conquérir Megaris. Pour ce faire, vous devez suffisamment réduire la puissance nationale de Megaris pour déclencher la bataille de conquête. D'accord. Faire la carte du monde. Puissance nationale. Le moyen le plus efficace de réduire la puissance nationale consiste à tuer le dirigeant de la nation. Il est accessible en permanence, mais il est bien défendu tant que la puissance nationale est élevée. Il est possible de réduire la puissance nationale et d'affaiblir ses défenses en tuant des soldats pour la faction au pouvoir, en brûlant du ravitaillement de guerre, en pillant le trésor public national. Piller le trésor public ? Oui ! Hop là ! C'est parti ! La nage, c'est pas son truc, hein. Ok, on est bon. C'est maudit pirate. Aha. Voilà ce que je cherche. Parfait. Il y a un monsieur ici. Oh, il est en... Il est un... C'est un légendaire. Waouh. Excellent! On va recruter un mec légendaire! Et vous savez quoi? Je sais pas si on a ce qu'il faut en termes de thunes, je pense pas. Mais le prochain point, ce sera ça. Il nous manque un petit peu d'argent. Il faudra vraiment que je m'arrête à un endroit pour vendre toute ma camelote aussi au passage. Mais ouais. L'endroit est sûrement surveillé. Je dois rester prudent. Tu crois? Pourquoi tu crois que je vais par là direct? L'objectif, il est simple. Le fort de Geraneia est impressionnant. C'est sûrement là que les Athéniens gardent leur trésor de guerre. Ikaros peut m'aider à trouver ce que je cherche. Alors ? Où il est le... Et là d'avoir tout un tas de coffres, tout un tas de trucs. C'est épique hein. Ouh. Brûler les ravitaillements de guerre, d'accord. Ils ont un ours. Alors ça serait pas idéal pour moi de libérer l'ours. Bon, on est bon. Lui qui pourrait malheureusement tuer le... Lui, là. Et lui, j'ai pas vraiment envie qu'il meure tout de suite. D'ailleurs, je vais tellement être précautionneux que je vais préférer passer par une autre façade. On va rester ici le temps que je vérifie qui est cette personne. Un bleu, bon, m'intéresse pas. Le vrai souci, c'est qu'ils sont niveau 8 et que je suis niveau 8. Appelé. Parfait. Coffre récupéré. Astron bleu niveau 10. L'idéal, ce serait que j'arrive à choper une arme ou un... De quoi en tout cas être meilleur en assassinat. Hop. Bon. Nouvelle quête. Brigand, bandit et autres. Une lettre mystérieuse. Hein ? une tassette athénienne, c'est joli le nom. Chasseur, avec un peu de bol, la tassette sera... Ah non, le guerrier, dommage. Bon, on va passer sur guerrier. Là n'est pas la question, ça niveau 10, malheureusement, c'est pas pour tout de suite. Assassin, ça c'est bien. Et voilà, ce qui nous manque, c'est l'aspect assassin. Allez, discrétion.
fait ce bruit? Ah la vache! On a repéré! Apparemment, ça s'est mieux passé que prévu. Eh ben, dis donc, le coup de bol. Te retourne pas, te retourne pas. Tu ne t'es pas retourné. Merci. Faudrait que j'ai réussi à abattre un maximum de ces... Wow, il en reste. Qui rend les choses un peu plus difficiles. Oula, et te plante pas comme ça, bonhomme. Appelez. Te plante pas. Ok, ça se passe très très bien. Je dois m'emparer du trésor et repartir discrètement. Intéressant. Il y a quelqu'un ? Bon, il n'y avait peut-être rien finalement. C'est maintenant que j'oublie comment je siffle. J'ai oublié. Ça m'est passé par un trou, mais alors monumental. Je fais ça depuis le début du jeu. Siffler. Maintenir vers le bas. Ah, d'accord. Ah, pas maintenir, justement. Il ne veut pas venir. Waouh. Oh, ça passe. Aha. Il ne veut absolument pas venir, ce qui fait qu'il garde en fait le truc. Curieux, qu'est-ce que c'était? Quoi? Il faut que j'en aie le cœur net. Genre. T'excite pas. T'excite pas. Moi, je suis là pour piller le coffre déjà. Bien, du coffre du trésor public. Les soldats athéniens auront... Oh oui. Je peux m'enlever l'interface? S'il te plaît, je dois avoir un truc à choper dans le coin ou à brûler dans le coin. Cela ne te dérange point. Oh! C'est de l'ordre du... Je les ai détruits? Non, d'accord. Et donc? Ok. Et c'est discret à ce point. Là, il s'est couché l'autre, d'accord. Ok. Oula, il fait du moonwalk, lui. Il faut que je sache qui s'amuse à faire ça. Bah bien, tu vas le savoir. Premier juré. Dépêche-toi de le faire. D'aller voir.
Ah putain, y'a son pote qui arrive. Je crois que j'ai des vis. Son pote qui arrive. Bref, où il le porte. Merde. Hop là. Allez, bien. Bien joué. Et tu ouf. Il est monté. Ah. Un feu a été allumé de l'enfant. Ah merde. Oh. Genre, le feu, ça veut dire qu'ils savent tous où je suis. Bon, du coup, j'ai perdu mon général. Il est là-haut. Ok. Tant qu'il a bougé, je vais aller chercher son coffre. Ça va me faire mal, ça va me faire mal. C'est pas grave. Hop là. Crac. C'est trop mauvais. Bon, dans l'idéal. On a quelque chose. Il n'y a rien par ici. Il faut rester à l'affût. Sa cachette peut être n'importe où. Personne ne nous échappera. Alors faut surtout pas que je perde lequel et lequel. Ça c'est quoi ça? Oh, un mercenaire que je pourrais recruter et qui a une gueule de malade. Bien sûr que je vais recruter ce mercenaire. Oh là, attendez, viens. S'il m'enferme. Ah la vache, il est solide. Ah, je vois des drachmes. Je vais faire vite. Hop là, on y va. On va aller le réveiller au fur et à mesure. On va aller le réveiller. Dommage, j'aimerais bien pouvoir le toucher là-bas, lui. Ah. C'est pas la merde de tes stratégies, ça, bonhomme. Hop là. Salut. Hop là. Notre petite fuite. Je vais t'en tirer. Hop là. On va recruter un maximum de monde, ils sont légendaires en termes de niveau, c'est pété, non?
Non, j'ai pas réussi. Des archers, abritez-vous. Il saoule là. Ah! Toutes les chances sont de mon côté. Ah, il est tellement aléatoire comme mec. Hop là, pardon. Excuse-moi, je t'avais pas vu. On refait la même, hein. Hey, où vas-tu, toi? Ah, il m'en repérait. M'en fous. Ah, ah, à la queue leu leu. Bas les couilles. Aïe, non, même pas. Il n'aurait jamais dû s'enfuir. Hop là. Ça c'est fait. On est pas loin de la voir. Lui là-bas. Si je peux éliminer le niveau 8 là-bas. Encore ? Ah, imprévu ça. Ah, ils m'ont vu. Ils sont rapides. J'ai besoin de vous ici. Ah, ils sont nombreux. Ils sont trop nombreux. D'un seul coup. Comment ça, un nouveau mercenaire découvert? Il m'en envoie combien des mercenaires? Ok, on va gérer, on va gérer. J'ai dit qu'on allait gérer. Ça va se faire. Ah, nouveau mercenaire, d'accord. Oh oui, oh oui, bellement. Aïe. Oh, ça fait haut, ouais. Voilà. Hop. Alors, qui c'est qu'on a qui est avec nous? Je vais aller voir si c'est grave. Donc lui toujours. Putain, ils sont tous légendaires, c'est pas possible. C'est un peu trop pété s'ils sont tous légendaires. On peut pas tous les recruter non plus. Ah, il est violé celui-là, bon. Je ne tarderai pas à le trouver. C'est étrange, tu vois, tu passes ce que... Dommage. Désolé, j'aime pas faire ça. Trouvez un abri, vite. Là, juste là. Oh, il a récupéré tous ses points de vie. Comment ça se fait? Oh, t'es rapide. Putain, il est rapide. Putain, l'autre m'a vu aussi. Putain, il y en a encore un autre derrière. La vache. Oh, oh, c'était nul. Franchement, c'était nul. Ah, je peux pas parer ça. La vache.
La ruée au bouclier qu'ils ont, je peux pas la parer du tout. C'est... Enfin, bon bref. Putain, ils sont encore plus nombreux qu'avant. Ah. Tuez-moi. Discrétion assurée. Voilà, bon. Alors, on peut voir qu'on monte à un niveau 4 de... Oh là 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 là, comment je vais faire? Comment je vais faire? Si je m'attendais à ce que ce soit aussi dur en termes de comment de mercenaires, j'aurais peut-être moins fait le malin au niveau des bateaux. Bref. Sans poser de questions. Mieux vaut se faire discret. Cette fois-ci, on y va en mode discrétion. Y'a pas? Parfait. Et surtout, on va lâcher l'ours. Désolé. Allez! Allez! Ok, ça c'est fait. Le problème c'est que le loup risque de me chercher maintenant. Purée, je reste 2 secondes à un endroit. Regardez, il y en a déjà un qui se ramène. Hein. Mercenaires, niveau 10. Je vais aider le loup. Très bien que le loup bouge. Ou que lui aille se coucher. Ok. Oh la vache. Allez, abandonne. Je rêve où ils se dépêchent les autres là. Allez, faut que je fasse en sorte. Faut que je fasse en sorte de l'avoir suffisamment affaibli. Et je crois qu'il vient de se soigner en plus. Allez, on y va. On se bouge. Hop les. Gants de fourrure, ouais, génial. Chargez !
Ça, ça fait chier. Parce que je suis vraiment au mauvais endroit. J'ai voulu récupérer le truc. Bien joué, Marcus. Y'a plus de loup, je présume. Casque de hoplite. Ouais, génial. Allez. Allez. Ah. Ok, ça c'est fait. Ah, ils m'ont vu. Ils m'ont vu. Ils m'ont perdu. Allez Marcus, tu peux le faire et tu le sais. Ils vont tous venir à la queue leu-leu de toute façon. Allez. Ouais, sérieux, je peux pas le... Merde! Ah, fais chier! Je pensais que j'aurais pu le... l'assommer discrètement. Je suis dans son dos et tout, mais non. Oh là 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 là! Il y a tous les renforts qui se sont ramenés, regardez ça, le nombre de personnes que ça fait. Est-ce que je peux m'équiper vite fait? En plein combat, ce serait cool. Hop, niveau 8, je prends. De toute manière, j'avais rien pour le... en arme de commande. Niveau 8, je prends, dégâts de chasseur, ouais tu parles. Ça m'intéresse. Ok, rien d'autre. Ok, j'avais un marteau. Pas que je veux, hein, ouais. Faut aller voir ce qu'il en est. Toujours le même que je veux. Toujours le même que je veux. Ouvre bien l'œil, ne te laisse pas sur. En faisant vite, on peut le rattraper. Sur le champ. Si je peux aller le recruter, c'est tout ce qui compte pour moi pour le moment. Hop là. C'est bon. Allez, tu viens avec moi maintenant. Je cherche des marins. Wouh, on en a un légendaire, cool. Il a pas voulu venir. Ok, maintenant il faudra essayer de buter tous les chasseurs. J'ai l'impression que plus je vais les buter.
tire de là-bas. Ok. Il a rien vu. Personne n'est au courant. On est bon. Il y a l'autre qui arrive rapidement quand même là. Hein. Même qu'il arrive un poil trop vite. Oh non, je viens de faire un assassinat, normalement tu récupères. Ok, jambière en plate, on y va, on va y aller au fur et à mesure, tant pis. Hein. C'est les mêmes. Ouais non, les miennes sont en assassin, c'est un peu mieux. Ah, je peux pas parer les attaques rouges. Je peux pas parler à ta couche. Appelez. Ils sont violents. Ah genre. Allez, mais grimpe. Il est lent. Genre, je vais t'obéir. T'as cru. Non mais genre... Oh là, oh là. Ok. Ils m'ont reperdu. On va le faire. On va y arriver. On va y arriver. Genre. Ok. Ah, je pouvais pas le refaire, d'accord, ok, cool. Je pensais que je pouvais le refaire une deuxième fois, mais non. Ok, on va la refaire à Héron, Héron, petit patapan. Appelez. Attends. Appelez. Ils sont balèzes, hein. D'accord, les... Ah, faut que je pense à utiliser X pour ça. Ah la vache, si vous mettez... Oh mais... Relève-toi, bonhomme. Hop les. Hop les. Ok, ils m'ont reperdu. Ils m'ont reperdu, ce qui me donne de la régène. Et surtout ce qui me donne l'occasion
de repasser un petit coup d'invisibilité. Rappelez. Ah la vache. Mais non, mais redresse-toi. Allez. Ils m'ont vu, hein. Non, ils m'ont pas vu. Cool. Si j'arrive à passer derrière, je leur passe encore un petit coup de... Merde. Ah, fais chier. Je devrais le savoir en plus, hein. Ah, ah. Non, pas cette fois. Mais non, mais grimpe pas sur le mur. Ah là 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 là, c'est tendu. C'est tendu. Et comme j'ai pas suffisamment de... Oh non! Oh mais genre... Ok. Eh bien. Ah, j'appuie pourtant. Ah, j'appuie. Hop là. On y retourne. Heureusement qu'on est des ninjas, hein. Dis donc, je vais être à 2h le tournage de cet épisode, ça va être la catastrophe à monter. Faudrait que je réussisse à assassiner le niveau 10, je crois, qui est celui qui a le moins de PV. Il fait quelque chose là. Mais genre... Tu ne vas pas t'en tirer comme ça, crois-moi. Ouais, peut-être. Peut-être que tu sais. J'ai peur que l'autre il rallume un feu, non? Ah putain, il veut pas, hein. Allez, ils sont complètement buggés maintenant. Il me voit, il me voit. C'est tendu, hein. C'est tendu, c'est tendu. Hop là, on l'a eu. Confirmer l'assassinat. Fallait que je fasse ça sur chacun des corps. Fallait que je fasse ça sur chacun des corps. Elle va pas. Elle va pas allumer le feu. Ah, passe par le bon côté. Voilà. Ah mais non, mais t'amuses pas non plus à faire ça, toi. Attaque Discaret. Ah, je suis là pour toucher la prime. Allez. Ah putain, tu le sais, Marcus. Allez, c'est bon.
Eh bien. Ah, j'y pense pourtant. Putain, tu le sais, Marcus, tu le sais. Ok, allez bien. Raté. Accepte ta mort, Mistio, sale aigle. De quoi tu parles? De quoi tu parles? En 1v1, je vous nique tous. Le poison va t'avoir, le poison va t'avoir. Voilà. Et je récupère. Bon. Eh ben, tant bien que mal, les amis. Oh non de Dieu. Je crois que je viens de passer une heure sur ce fort. Et donc, c'est ça qu'il faut que je brûle. Merde. Ramasser la torche. Voilà. Ok. On va y arriver cette fois-ci. On va pas se planter. On va être doué. Voilà. 4 sur 4. Il reste un trésor. Wouhou! Ça aussi, non? Je sais pas. Et du coup, j'ai baissé qu'à d'un tout petit peu ce que j'ai gagné en termes de... De niveau de... De mercenaire, ce qui est une catastrophe. Appelez. Oh, on est bon. Wouh! Bon. Eh ben les amis, on va cesser là pour cet épisode de 2 heures de tournage, 1h50. Et moi je vous retrouve dans le prochain pour la suite de nos aventures. Donc normalement 2 par jour, mais avec ce tarif là, 2 heures d'épisode de tournage, je sais pas si ce sera le cas. Salut les gens, et yo!